Yo tout le monde, c'est Gencho de la Fumeuse Team en compagnie de Taisho et McBride. Nous sommes nous sommes sur le serveur des nudistes. C'est quoi déjà? Les nudistes vétérans. Voilà, les vétérans. On a commencé à, je sais pas, on va remonter le temps. Je crois qu'on a fait pendant moins de 3 heures, je crois. Ouais, bon, 3 heures. Ouais, à peu près, ouais, 3 heures. Donc là, on a fait notre château de la FMS Team pour accueillir 6 matelots. Oui. Donc voilà. On est 3 pour l'instant à taper dessus, quoi. 3 à taper dessus, mais bon. Les autres seront contents quand on aura fini, quoi. Ouais. Donc on sera prêt pour défoncer les autres personnes du serveur. Tout en, en règle, RP. C'est armé, ouais, mais on a pas de balles. Eh, t'es chaud. Ah non, mais les balles, il faut les faire. Il faut les faire, ouais. Il faut du soufre et du charcoal, là. Du charcoal. Bon, ben moi je saute. Allez, hop. Ah voilà. Donc vous pouvez nous voir, on a fait des portes au nombre de personnes qu'on est dedans. Donc moi c'est ma porte, elle est... Ah, shit. Elle est là. Ah. Oh, un petit bug. Bon, ok. Ah, je suis passé. Ah. Alléluia. Hop, ça enferme là. Hop, verrouillé. Donc après, pour l'interface, ça a pas trop changé. C'est toujours les mêmes trucs que la dernière fois. Peut-être qu'il y a eu quelques rajouts, certes, de nouvelles armes, tout. Donc voilà. Alors là, on rentre par là. Bon, là, c'est une petite pièce qui emmène dans une autre grande pièce. Qui sont utilisables pour l'instant, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va faire dedans. Donc là, on passe par là. Là aussi, c'est une pièce. Hop. Alors, on va voir. Putain, par le sol en pierre, et on dirait que je suis passé 1000 ans, là, que je tape. Donc là, c'est la chambre de... notre Taisho. Tac tac tac. C'est moi, je passe. Ça c'est ma chambre. C'est la chambre de personne pour l'instant. Ça c'est la chambre de McBride. Et deux chambres ici. Non, je vais prendre ça. Ah, juste comme ça, vous savez qu'il faut que son père soit le mur. Donc voilà, alors là c'est. Normalement cet étage, normalement c'est fait pour le craft. Donc là, ça normalement, ça c'est rien. Ça c'est normalement la salle de cuisson. J'ai juste oublié de mettre tout ce qu'il faut avec. Donc, j'ai le bras de niveau 2. Je vais t'aider, McBride. Hein. Ouais, vas-y, viens, on fait un cas de à tous les deux là. Alors, mettons les coffres là, hop. Hop. Donc ça c'est, on va dire, c'est la cafette. Alors pour toi ta cafette, bon ça travaille bien en haut. Oui oui ça avance tranquille. C'est dark à casse. Donc voilà, là ça c'est le four principal, avec tous ces foules, ça rend un peu fou, mais bon. Donc voilà. Donc voilà, c'est la première tour, on va dire, de garde de notre bastion. Donc là, vous voyez, ça monte un peu haut, donc voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre surtout le toit, hein, McBride ? Le toit de la tour numéro 1. Ouais. Je vais devoir grader que ça fait 3 heures que je tape avec un marteau. C'est vrai que franchement, dans cette version de Rust, upgrader les bâtiments c'est pas mal, mais qu'est-ce que c'est long. Ouais. Et pour détruire, je vous dis pas. C'est bien, ça donne du gameplay. Donc, alors, moi je me suis perdu. Ah non, voilà. Donc voilà, tac tac tac. Donc là, c'est la tour numéro 2. On n'a pas encore fini, bien sûr, pour finir le toit. Sinon, on aurait été dans le caca. Donc, comme vous voyez, hop, on a fait un toit comme ça. Hop, voilà. Donc, repassons à des. Comment dire.
des infos sur l'interface. Parce que sur plusieurs serveurs, apparemment, les gens ne savent pas comment utiliser l'interface du jeu. Donc voilà, alors si vous appuyez sur F1, bon, c'est la traditionnelle console du première version, quoi. Donc après, quand vous appuyez sur F2, c'est pour tout ce qui est niveau graphisme, si vous voulez baisser, monter, enfin, sur votre PC. Donc moi, tout est à fond. passons. Sur la 3, surprise, F3, vous appuyez sur F3, ça fout, fait la vision, troisième personne. Donc voilà. Donc voilà, ça tape, ça tape, ça tape. Donc voilà, comme vous avez vu, on peut faire des angles, ouais, on va dire 45 degrés. Triangulaire. Ouais, c'est 45 degrés, ouais. Ouais. Donc en gros, maintenant, c'est pas mal, ça peut être pas mal pour faire d'autres structures. Que tout en carré, 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 c'est chiant, quoi. Donc voilà, je sais que je me rappelle. Et oui, hein. C'est pas sur Minecraft, hein. Ouais. Bon, peut-être plus tard, on aura des murs en rond, ça serait pas mal, ça changera aussi. Donc voilà notre petite base tranquillou qu'on s'est commencé à... enfin qu'on a commencé à construire. Donc voilà. Sur ce long, on va... T'es parti où là? Ah moi je suis là moi. Ah mais t'as eu chaud. Mais je te surveille hein. Ah moi je vous surveille de là. Donc voilà, bon ben on vous laisse sur cette... Attention mon petit MacBride hein. Attention hein. Je te vois là. Ah bah moi je suis... Moi attendez... Attention, ouais. Oh, tire pas. Moi, faites gaffe. Moi, j'ai une hache. Une hache qui fait mal. Je sais pas si vous voyez au fond, mais... Enfin, vous voyez les petits points. Je sais pas si vous voyez les petits points, là, qui est au fond. C'est un largage d'avion. C'est un largage fail d'avion. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, mais sur cette petite image au fond, enfin je peux pas zoomer, mais je sais pas si vous voyez, bref. Si t'as une arme, tu peux zoomer. Mais... Ouais, mais j'ai pas une arme sur moi, donc ce sera la prochaine fois. Donc là, on vous laisse sur cette petite fin de vidéo. Et sur ce coucher de soleil. Hein. Ouais, sur ce coucher de soleil, même si on voit pas le soleil, il est tout au fond. Ah 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 aïe ah aïe aïe. Ça fait mal. Je suis oppressé là, aïe! Bon, comme vous voyez, en fait, on peut saigner dans le jeu, dans celui-là, dans cette version. Bon, vous pouvez saigner avant, mais là, c'est mieux fait. C'est moi qui t'a tapé. Vous prenez un premier coup en fait, et si vous prenez plusieurs d'autres coups, ça fait Homer. Enfin, quand vous saignez plus là, Enfin, bref, vous comprendrez. Une overdose? Non, une overdose. Non, c'est plutôt une Homer. Enfin, je sais pas comment dire. Bref. Omar. Non, ça commence par un O, mais je sais pas le formuler. Bon, bref. Une obitération. Bon, ben on vous laisse. On vous dit à plus tard pour une autre vidéo sur Rust. Une orange. Allez, à plus tout le monde. Ouais, à plus, ouais. Ciao, ciao.